Ok, un partout. La game qui va bientôt merci se lancer. Merci à vos messages sur Twitter de soutien. Bien sûr qu'on est chaud, bien sûr qu'on est là. Et juste après Chubbs contre Downfall, ce sera le match de la soirée. Thanos en roue libre, bien sûr. Personne ne le dompte, Thanos. Il roule tout seul sur la grande voie du skill depuis sa naissance. Bref, Lilbo contre Hyun. Hyun contre Lilbo. Oui, ce sera la prochaine affiche, en effet. BO7. On va faire des le cascades vainqueur avec de Lilbo. Warwound contre le vainqueur d'Underdogs. On vous rappelle d'ailleurs... Je vois bien. Lilbo contre Hyun, ça va être drôle quand même. Parce que là, il y a un vrai côté The Viper contre The Mountain, quoi. Ah, je pense que... Il y en a un qui est légèrement favori, Thanos. Non, mais ça va être... tout dépend après de comment va jouer Hyun, parce que le... Avec les deux mains, on ne sait pas. Voilà. Non, mais c'est que les joueurs du niveau de Hyun, le truc, c'est que ça se fait beaucoup à la lecture de jeu. Donc, il y a des soirs où ça peut être du génie perpétuellement. Faut pas qu'ils soient en train de lire un bouquin en jouant contre Lilbo, c'est ça où... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Faut lire la game. Bon, on a un peu de temps, hein, parce qu'on attend les joueurs, les amis. Des joueurs comme Kass, par exemple, ou des joueurs russes, c'est des joueurs sur la répétition du build order. Donc pas tu sais tant qu'il se passe. Ça, le compteur qui ah oui, exact. Quel que soit un peu leur état, ils en verront toujours un certain niveau de... Des joueurs comme Yoon, comme Life, c'est des joueurs qui se permettent des choses par rapport à ce qu'ils scoutent. Et donc, des fois, ils peuvent se permettre d'aller chercher des trucs, parce que là, ils vont se dire que ça va passer, alors qu'en fait, non, ils seront pas dans leur bon jour. Et du coup, ils iront chercher à chaque fois les mauvaises... les mauvaises escapes, en quelque sorte, et c'est pour ça que je dis ça. Mais aussi. Wow, oh, man nice. À chaque fois, hein. En fait, c'est le compte Thanos qui bug. Crash du jeu. Est-ce que, crash mon bon Yatakun, tu je as. Parce que les dieux StarCraft voulaient que je finisse mon explication, en fait. Mon écran. Allez, on va lancer. Ils ont mon écran, donc ouais, on va il faut juste 30 secondes. Bah, si. Parce qu'on va lancer dans 30 secondes, ce que j'allais dire. Ah. Genre. Ah oui, à la fin du timer. Ouais, voilà. Il n'y a pas de problème. Je crois pas qu'on va quitter, hein. T'es ouf. Je vais juste me relog, moi, dans mon coin. Qu'est-ce que tu fais ? Yata, t'es un bâtard. Moi, je suis sur le chat, hein. Si vous voulez nous envoyer des messages, ouais. Allez sur le chat. C'est good. On peut faire son Thanos. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Alors sur le chat, ça demande est-ce qu'il y a eu des annonces officielles sur les nouvelles unités, de la dernière extension de StarCraft Legacy of the Void. Donc pour l'instant, ouais, elle n'a même pas été annoncée. Si, ils ont fait un article sur Judge Hype. C'est donc le retour du Lurker. Ils ont utilisé le Réplicant aussi. Et ce genre d'info, Ponf. Non, tu devrais écrire des articles sur le site. J'aurais dû. Je les partagerai sur Facebook. Ouais, je vais écrire un article. Sur les nouvelles unités. On réintroduit le chien de guerre. Hey Grosse avancée. Alors voilà, David Kim revient sur son. Non, pas d'info. Je crois qu'on n'a même pas la date de sortie. Ils ont. Non, c'est top secret. On sait même pas si Kerrigan va finalement se faire choper par Raynor. Ça arrivera tôt ou tard, ce truc. Ou par quelqu'un d'autre. Et le bébé fera la quatrième race de StarCraft. Un hybride. J'avoue, ce serait bien chelou. Ouais. Allez, du coup, on est reparti en bas à gauche de la map. Nous avons donc Chubbs de la team. Et en haut à gauche de la map, on a Downfall. Tu suis jamais à la caméra, poulet. Non, c'est pas grave, j'ai l'habitude maintenant. Qui est donc en Terran Sion. Voilà, pour vous faire quand même pour Downfall un petit big up. Il va vous le faire pour Chubbs, mais à son timing. Pour il a un peu de sang corse. Il fait les choses, mais Chubbs. Quand il le veut. Chubbs. Voilà. Et donc, Kerry disait décembre 2015. Ouais, il y a pas mal de gens qui disent ça. Je sais pas d'où ils ont l'info, mais ouais, j'ai entendu plusieurs fois. Si vous voulez faire flipper Community FR sur Twitter, allez dire. C'est vrai ce que Ponfétude vient de dire. C'est en faudrait... 2015. Non, mais attends, parce que là, ça va être fait à l'arrache. Mais faudrait qu'on le lance un de ces quatre. Tu vois, genre, tout le monde dit sur Facebook Legacy of the Void sort à telle date. Tu vois. Là, tout. Merci à Blizzard pour l'annonce. Et tout le monde tag Blizzard. le gros hoax, quoi. La panique. La panique dans le bateau. Oh, ça sent la Stargate. Ah, ça sent quelque chose en tout cas.
Ça, bon, c'est un peu ça base, ces prises de gaz, tout ça, tout ça. Ça, c'est mûrement réfléchi. On voit bien un double gaz et le maximum de workers sur le gaz, alors que le corps est tout juste là. Comme un beau plateau de fromage qui ne demande qu'à récupérer un peu de Beaufort et de Roquefort. Le proxy oracle. Ça sent quelque chose de gratiné, annonce. Tu peux nous montrer, il a la vision, il sait où est son adversaire. Il sait qu'il est au nord, en fait. Il a scouté en bas, il n'a rien vu, donc il sait qu'il est au nord, soit à droite, soit à gauche. Il va poser sa Stargate et aller scouter, du coup, bah, à droite, je pense, vu que c'est l'endroit le plus proche. Et donc, du coup, bah, en voyant que ce n'est pas à droite, il en déduira, tel un génie des mathématiques, qu'il est forcément en haut à gauche. C'est ça, car même les programmeurs savent compter jusqu'à 4 anneaux ouais. Et faire des soustractions. Du coup, pendant que la game se pose, d'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent et qui ont donné au Kiss Kiss Bank Bank, on va vous envoyer un fat mail sur la boîte mail que vous avez donné dans votre compte Kiss Kiss Bank Bank, qui va vous expliquer un peu quand les choses arrivent. Globalement, ça arrive courant du mois de juillet. On fera en sorte pour que les places et surtout les goodies vous soient envoyés avant le pestacle. On fera tout ce qu'on peut, dans le sens où il y aura peut-être des trucs qu'on devrait vous envoyer après. Mais en tout cas, le CD digital et une bonne partie des vidéos making-of seront envoyées avant, bien sûr. Les petits logos sur les Nexus, pareil, vous seront envoyés avant. Et les places, évidemment, on vous enverra les places. Et d'ailleurs, à ce sujet, si vous êtes prévu de venir avec des poteaux, eh bien, venez ensemble à l'entrée du Trialon, parce que c'est à ce moment-là que vous serez placé. Et là, cette fois-ci, innovation dans un spectacle gaming, vous serez placé pendant toute la journée. Donc vous pourrez même aller faire pipi, même aller vous balader dans le Trianon. Vous serez sûr d'avoir votre place au retour. Il y aura ton nom écrit dessus. C'est ça. Donc attention, on rigole pas sur le placement. Et c'est parti ici, Downfi, qui a pris sa deuxième base. Qu'est-ce que t'inspire ce build, Order, mon bon Anos? Bah attends, c'est parti totalement ici, cacahuète là. J'ai vu une tourelle, mais il n'y a pas de Stargate. Au final, on est parti Blink. Donc... une game qui s'est totalement inversée, pas de proxy, t'as vu quelque chose? En fait, c'est juste que vu que le Reaper est arrivé à un timing parfait pour voir, il a cliqué sur les deux gaz, il a vu qu'il y avait un manque de gaz et il a dû dire, il s'est dit Tonefall qu'il y avait un truc décaché. Et donc Sonic a pensé, Chubbs a pensé la même chose, donc il a complètement changé. D'accord, parce qu'il s'est fait scouter au niveau de sa main. Ouais. Ok, du coup on part sur du Blink de la part de Chubbs et ouais, c'est pas bête son truc parce que c'est vrai que si l'adversaire, mais il l'a vu que c'est Blink, hein, parce que quand tu lèves la B2, poulet, c'est que tu sais. Fais voir un peu la vision, il a scouté, très bien joué. Downfall qui était sur un réacteur Laptech, le Steam qui est tout juste envoyé, mais il va pouvoir s'envoyer quelques maraudeurs. Il faut qu'il envoie les bunkers bien positionnés. Et non, c'est des dépôts, ça. Alors on va aller voir les bunkers, où est-ce qu'ils ont été foutus. Et s'il en a foutu, il en a un devant, mais pas sur le flanc droit. Ok. Paul Z ouais. De la part de Downfall. Il aurait pu en mettre un deuxième, en effet, ouais, c'est... Si tu sais que ton adversaire est en plus sur Blink une base, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Au contraire. C'est open. T'as deux bases, c'est plutôt cool, les mules, tout ça. Mais le truc, c'est qu'il va avancer. C'est qu'il ne sait pas s'il y a B2 ou pas derrière. Si ça continue à follow-up ou pas, mass Talker Blink. Ouais, pour le moment, il ne sait pas, en effet. Il n'a pas d'unité dehors, mais il a vu pour le moment que ce n'était pas un Blink sur B2. Il a vu que c'était un Blink qui commençait sur B1. Et c'est quand même une bonne information, parce qu'après, tu peux le voir sur le fait qu'il n'y a pas de plus en plus de stalkers qui se rajoutent. Attention ici, le MC qui va permettre la vision, qui va permettre aux stalkers de taper ce petit supply dépôt qui est plein d'animaux. Il y a des moutons, il y a des vaches. C'est pour manger, ça, mon gars. Et bah, boum, supply dépôt qui explose ici. Tous les moutons, toutes les vaches qui sont mortes. Disrespect. Et qui seront transformés en lasagne, peut-être pour la garnison plus tard. On verra. Attention, après ce push, s'il reste des bouches à nourrir à nos. C'est vrai. Qui se terminait. Un peu de perte. Jolie micro-gestion. Belle défense de la part de Downfall là pour le moment. Hein. Ça passe pas du tout de la part de Chubbs. Je pense que Chubbs devrait peut-être se dire... Ça sent la merde. Ouais, rajoutons une B2. Non, il fait l'inverse. Il continue à rajouter des unités. Et c'est vrai que des fois, ça se joue à très peu. Hein. Donc quand tu pars comme ça, faut y croire aussi. Si dès la première petit grêlon, tu retournes. Ça, tu gotta believe. Voilà. My brother. Bunker focus. Il va l'avoir. Oh, il l'a pas. Il a pas assez believe. Ouais, il a pas le believe. Ah, c'est la merde pour lui, c'est la merde pour Chubbs. I didn't believe in myself enough. Ah. Non, bah, là, il fallait là, believe encore un tout petit peu. Là, ah, là il rajoute 3 stalkers. Là, ça me fait peur quand même. Ah, ça là, fait vraiment peur. C'est fini.
Il y a de plus en plus de maraudeurs en face, les amis. Oh, le ça devient cadeau. Hein. Le premier Medivac qui sort de la part du Spatioport. Oh, on envoie le bâtard d'été. Attention. Ouya, on ne sait jamais. Pull up, pull up. Protoss en difficulté. Protoss qui fait d'été. Eh ouais. Faut aller dans ce dans le Larousse, ça. Boom. Attention, un petit worker qui tombe. Petit coup de micro-gestion. C'est cadeau. Enfin, pression cadeau. Psychologique. Le VCS cadeau, c'est... C'est un peu comme si tu prenais toi-même des choses chez tes potes ça, en disant ça, c'est cadeau. Frites, tu vois, quand Noël arrive, il me prend une frite, tu vois, c'est pareil que me prendre un worker. C'est pas cadeau, c'est un méfait. Voilà, tu c'est voles ça. Un VCS quand même. Le mais dans la manière, il y a un côté un peu cadeau. Le bâtard d'été qui est maintenant à la moitié dans le fall qui lui n'a pas encore scouté. Oh, qui sort. Oh, dans le fall, il en a marre. Ah, oh, dans le fall, il va. Oh, oh là là. Le rouleau compresseur. C'est vrai. Dans la grosse bioball là quand même. Ah bah ouais, hein. Là il a bien tenu. La B2 qui vient d'être posée, c'est très très tard pour Chubbs là, les amis. Ah, ça sent clairement le 2-1 pour Downfall. Parce que là, le problème, c'est que il n'y a rien du tout pour contrer cette bioball, quoi. Et puis là, le DT ne peut plus passer, là. Une mine, une tourelle, c'est géré. Il a scouté le bâtard d'été en plus, Downfall Non, il a pas dû, mais c'est normal, quoi. C'est la standard. Ok. C'est vrai que quand ça passe pas, du coup, ouais, le bâtard d'été, t'es à un bâtiment près d'une suite technologique qui poutre quand même. Clairement. Mais je voulais voir quand même s'il l'avait vu, parce que c'était quand même très bien orchestré. C'est pas automatique de voir une mine devant avec une tourelle. Et GG. Ah, GG. Ah là, Downfall, qui a très bien géré son jeu. Mais bon, faut savoir que Throatbrain, Tulbrain, assure la même chose. Rappelez-vous toujours que quand vous partez sur une stratégie optimisée, que vous l'annulez pour partir sur une autre stratégie, tu te prends bien 30 secondes sur le téton gauche. Ouais, surtout quand ça a été mappé. Donc, c'est-à-dire que tu as bien été tétonné. Exactement. C'est donc, exact. Protège tes tétons. C'est exactement comme ça qu'on dit. On va faire la pause et juste après, ce sera Youn contre les. Ça va être du FAD, BO7. Ça va être un gros PVZ, lourd PVZ. Mais avant la pause... Ah, le tirage au sort. Rentre comme ça sur scène, c'est stylé. Non, mais en mode Brésil. Ouais, voilà, comme et ça. Et penche-toi. Brésil. Cambre-toi un peu, monsieur. Retourne-toi, fais-le. Bouge tes cheveux. Voilà. Brésil. Kirill et Brésil. Qu'est-ce qu'on tire, du coup? Le bracket. Ah, pour la saison 10. Qu'est-ce qu'on tire, du coup? Alors. Qu'est-ce qu'on tire? Alors. On tire des trucs, c'est... J'ai ma main. Complètement. Rien à voir. Je pensais que tu voulais ma main. Non. Après. Juste avant le bracket underdog, je vais peut-être vous donner les joueurs de la saison prochaine de Warounds. Ouais. Next saison. Donc, en proto, ce sera Stardust qui défendra les couleurs Toss. Nickel, ça fait plaisir. Pour les Terran, alors des fois, on prend des non-coréens qui ont du niveau. On avait pris Snut notamment sur la première saison. Ce sera Major. On va voir un petit peu, voilà, tu vois, est-ce qu'il peut poutrer la France. On va voir s'il peut poutrer les Coréens. Et pour les Zerg, ce sera le bon Symbolu qui défendra les couleurs Zerg. Excellent, là. Donc, Symbole, ça va être lourd. Voilà. Et lundi prochain, ce sera Stardust contre Symbole en ouverture. Voilà. Et donc, du coup, on va attaquer le tirage de la saison 10. On est déjà à la 10e saison, d'Underdog. Stardust aussi, je suis pressé de voir ses nouvelles strats. Stardust s'entraîne en Corée en ce moment, pour info. Ok, donc tu vas nous envoyer du fat. Ça, c'est cadeau pour toi aussi. Ouais, alors mon bon Yata, je sais pas si tu peux afficher le bracket pour les viewers et pour nous également. Le Yata bracket. Ah, pas mal. C'est presque celui-là. Il va le faire, mais tranquille. Ok, et donc du coup... Donc voilà, donc on se souvient à la finale, c'était Lilbo Marine Lord, donc on a les deux joueurs qui sont sidés d'un côté du bracket. Ouais. Et donc on va tirer donc, dans l'ordre, en fait, on va tirer un joueur sur le match 2, un joueur sur le match 3, puis après on va remplir de haut en bas. Et c'est pas moi qui tire, messieurs, c'est vous qui tirez. D'accord. Le canap. Allez, donc là, celui, c'est contre qui, là? Contre personne, c'est le premier joueur du match 2. Ok, attention. Je ne regarderai pas. DNS. Nice. Voilà, DNS au deuxième. Donc, DNS contre... Il jouera contre qui, mon cher Tude? Dans la deuxième case. Non, là, je pense que c'est... Non, c'est ce qu'il a dit. C'est au deuxième match. Ouais, c'est deuxième match. C'est au-dessus. Contre qui tu vas jouer? Chef du Downfall. Donc c'est Downfall. Donc là, c'est DNS qui est en match 2 et Downfall qui est en match 3. Ah, ok. Excellent. D'accord. Le Chef du Downfall. Ok. On prévoit les choses sur Gaming. Donc là, c'est qui là? Parce que. Contre Lilbo. Yata, tu peux afficher le bracket, s'il te plaît. C'est Downfall. C'est Downfall qui a gagné.
pendant qu'on peut voir la chemise sexy de Tude. Tude qui aurait pu faire mannequin, hein, tranquille. Alors, un mec qui, voilà, juste... a préféré faire du gaming. Et la ouais, Melvie, c'est absolument pas ça, Yata. Alors, DNS, en fait, il est en position 3. Et Dunfall est à la place de DNS, mon poulet, comme sur le petit plan que je t'ai laissé. Ah, il a dit, ah, mais non, c'est pas Lilbo Dunfall. Voilà. Il le fait dans l'autre direct. Sens, tu les switch. Tu switch DNS et Dunfall, tu peux les switch. Oh ouais, Dunfall partout, donc il est au motivé. Hein. Il va jouer tous les matchs. Et donc voilà, on va tirer le prochain papier. Ouais, donc là, ça va être le match contre Lilbo. Voilà, donc là, c'est le celui qui va affronter Lilbo. Ok, c'est parti. La pression est à son comble. La pression, parce que c'est quand même normalement le meilleur joueur. Daichi. Oh là, Daichi Lilbo. Ah. Oh la vache. Quelle belle manie innocente. Bim. Ça donne, vas-y mon petit... Alors, après bien. Là, c'est quelle case? Donc là, c'est celui qui va affronter DNS. Oh, Lilbo Daichi, quand même, tour 1. C'est dur. Hein. Mini, 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 dur. Dans l'autre sens, ouais. Non, c'est ça. Non, c'est que c'était écrit bizarrement, là, pour le coup. Il y a marqué minimat. Tu n'aimes pas mon écriture, Anos ? C'est juste que Kiri écrit vraiment ouais, bizarrement. Minimat, d'accord. Sur minimat, je cautionne moyen, Kiri. J'ai bien aimé pour les autres, mais... J'avoue qu'en haut, ça fait peur. Après, pour Downfall, on va voir l'adversaire de Downfall maintenant. Downfall. Par la main innocente de moment. Moment qui ouvre le papier, qui Sparkfire. Ah, intéressant ça. Ah, ça me plaît bien ce match-up. Ouais. Ça va être un petit TVZ bien intéressant. Downfall, du coup. Ouais. Donc forcément, il en reste plus qu'un. And the last player is Firecake. Firecake. Oh là là, c'est marrant quand même les amis, parce que sur les deux tops, on a limite le top 4 qui est réuni avec Lilbo, Daichi, Marine Lord et Firecake. Donc chaud quoi. Chaud, chaud, chaud. Et ce sera d'ailleurs la saison 10, la dernière saison de cette saison au gaming, puisqu'on reprendra du coup en septembre ou en octobre, on ne sait pas encore. Mais il n'y en aura pas en août. Donc cette saison 10, Lilbo, Daichi en ouverture, DNS Minimat, Downfall, Sparkfire, Firecake et Marine Lord. Donc les 8 joueurs de la 10e saison Underdogs. 10 saisons quand même, c'est passé ça passe vite. Rapidement. Donc voilà, sans ouais. plus attendre, on fait la coupure pub. Merci pour cette main que je ne qualifierai définitivement pas d'innocente, moment. Mais merci pour ta main quand même. Mais qui nous a donné des belles games. Hein. Bien joué les mecs, parce qu'au final, ça va pulser. Hein. C'est ça. Et dès les premiers tours. Surtout le premier tour. Et on ouais. se retrouve juste après pour Yoon contre Lilbo en BO7 sans E. Et content que... sans je E sais, je pour ce match. Et surtout, la question. Warhound Lilbo, peut-il battre Yoon en BO7? Il va avoir beaucoup de mind game, je pense, parce que Yoon est un joueur qui s'adapte beaucoup. Ça va être joli, mes amis. On se retrouve tout de suite après la pub. On vous dit à tout de suite. À tout de suite.